Salut les petits dédés, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi je vais très bien. Donc aujourd'hui, je vais vous faire une petite vidéo prévention. Donc vous savez, les nuisibles, ils sont partout. Il y a toujours une solution pour les détruire. Donc prévention du jour, dans une maison, c'est un peu la mode en ce moment, on met un poulailler et un composteur. Et il faut savoir que les poulaillers et composteurs, ben, ça attire les rongeurs, les souris, voire les rats. Surtout si ben, vous vivez un peu dans un petit village où il y a tout à l'égout, ben, les rats ils sortent et ils se retrouvent dans votre poulailler ou dans votre composteur. Donc je vais vous montrer le mien. En même temps, ben, ça va permettre de montrer mes poules, hein. J'en ai que deux. Hein. Allez les cocottes, vous voulez pas passer sur la chaîne des défrelons? Les petites cocottes. Voilà, c'est deux petites poules. Hein. Et la cocotte. J'ai pas peur. Donc vous voyez, on a le poulailler qui est juste là et le composteur qui est juste ici. Avec tous les déchets. Et ça, c'est ce qui attire les rongeurs. Donc en plus de ça, mon voisin a son poulailler juste à côté. Donc moi, ouais, comme je suis dans le métier, ben, j'ai mis une boîte à rats. Hein. Le conseil en premier, c'est pas de mettre une boîte à rats. Bien entendu, si on peut mettre du poison et pour les tuer, c'est toujours mieux. Mais si vous n'avez pas ça, moi, le conseil que je vous donne, si vous voulez installer un poulailler dans votre jardin et un composteur, ne jamais le mettre collé à la maison. Vous voyez la distance? Voilà. Plus vous le collez à la maison, plus vous avez des chances. Mais que les rongeurs, au bout d'un moment, ils vont se dire il fait froid et tout ça. Alors, ils peuvent monter dans votre grenier, nicher dans vos combles et s'installer directement au niveau du poulailler. Donc l'importance, c'est de dégager le tour du poulailler. Vous voyez, il n'y a rien qui traîne autour. Et le composteur, c'est la même chose. Il faut vraiment dégager un maximum autour pour éviter qu'il s'installe. Bon voilà, la vidéo est terminée. J'espère que ça vous a plu, cette petite prévention contre les rongeurs. Hein. Donc, poulailler, composteur, bien entendu, c'est toujours bien d'avoir ça à la maison, d'avoir des œufs frais, de pouvoir jeter tous nos déchets verts dans un composteur, le recycler pour avoir du terreau. Il faut le faire, c'est très bien pour la planète. Ne collez pas ça autour de la maison, sinon les rats ou les souris vont s'installer chez vous. N'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu, de vous abonner à la chaîne, d'aller sur Facebook et je vous dis à très bientôt les dédés. Vous n'êtes pas abonné à la chaîne et cette vidéo vous a plu? Vous voulez devenir un petit dédé? Cliquez sur le petit icône à gauche du téléphone. Et surtout, n'oubliez pas, les nuisibles ils sont partout, mais il y a toujours une solution pour les détruire. Dédé Frelon.